Salut à tous, c'est Kizae et on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième, non, oui, non, je sais plus, mais non, quatrième, pardon, épisode de Majora's Mask. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'un très bon ami. Présente-toi, ami. Tu as fait. La prochaine fois, réfléchis. Non, je déconne. C'était gratuit. Ben, salut tout le monde, c'est Mister Kintaro 15 qui accompagne notre très cher Kizae dans l'épisode 4 de Zelda Majora's Mask. C'est bien ça? Oui, c'est bien le quatrième. C'est le quatrième. On n'est pas encore au 5, t'inquiète pas, des stress. Va. Ouais. T'inquiète pas pour ça. Bon, bah malheureusement pour cette fois, Kintaro n'aura pas le partage, hein, parce que mon PC, bah comme c'est un PC overcheat de la merde, eh ben il peut pas partager. Voilà. Oh, t'es pas obligé vraiment de leur dire, mais c'est pas vraiment important, c'est pas un problème. Ouais, mais bon, au moins c'est clair comme ça. Ouais. Puis voilà. Donc, bon, bah, pour ta Kintaro qui ne sait pas ce que je fais, je suis au premier temple actuellement. Le temple Ouais, bois le temple cascade. Mojo, ouais, mais t'inquiète pas. Ouais, le temple cascade, c'est là où tu vas libérer la princesse Mojo. Exactement. Et tu vas récupérer le premier masque, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, déjà le boss, il est un peu spécial, tu Oui. danses un peu spécialement, toi, donc. Donc je sais où tu te situes à peu près, t'inquiète pas. Enfin, à peu près, je sais que t'es dans le temple cascade, donc t'inquiète pas pour ça. Ouais, ok. Bah écoute, là pour l'instant je sais pas, je vais arriver dans la grosse salle centrale, ça, avec l'espèce de plateforme qui va tourner par la suite. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens encore. Oui, je vois, ouais. Et t'auras un passage aussi où il faudra que tu tires à l'arc. Il faudra que tu vises la torche, tu sais, l'espèce de torchis, enfin, je sais plus quoi. Il y a un endroit pour débloquer, je crois, un truc. C'était super chiant, j'ai failli comme un porc là-dessus. Tu vas rire, mais moi, la première fois que j'ai joué à Majora's Mask, je savais pas qu'on pouvait enflammer les flèches en les tirant dans le feu. Du coup, j'ai galéré, j'arrivais pas à allumer cette putain de torche. Bon, alors, attends, je vais la montrer au visionneur. La torche au milieu là-bas. Voilà, cette torche-là. J'ai pas réussi à l'allumer. Du coup, ce que j'ai fait, donc là, tu m'as dit que t'avais tourné l'épisode 10 de Majora, hein, c'est ça? Je l'ai tourné, j'ai fait le rendu, il y a eu juste un endroit où ça a planté parce que j'ai fait un passage accéléré sur un endroit où je me suis bien fait chier. Je l'ai tourné, ouais. Mais de toute façon, moi, je suis... Je vais donner un petit coup au micro, j'espère que ça s'est pas entendu. Moi je suis au pic des neiges, donc... J'ai tourné, l'épisode 10 est tourné, si je l'édite maintenant, normalement il devrait l'avoir demain. Ok. De toute façon, quand sortira cet épisode, ça sera pas avant un petit moment. Mais Il est donc méchant, je. il est méchant. Ne vous inquiétez pas, il est méchant. Mais non, mais. Il vous fait languir, il vous dit, il tourne un épisode, il dit non mais ils l'auront pas avant 5-6 semaines. Voilà. Donc bon, voilà. Non, mais c'est vrai que au moins jusqu'à. Bon, bah là actuellement on est le vendredi. Non, mercredi. Ouais, au moins jusqu'à vendredi prochain ils l'auront pas, quoi. Non, mais c'est pas un problème. Après, ça dépend de. Moi, je sais que à l'époque où j'avais mon ancien PC, qui était encore plus overcheat boost que le tien, moi, les editing me prenaient entre 12 et 14 heures pour faire des rendus HD parce que je faisais avec Sony Vegas. Donc, le tournage me prenait pas longtemps. Je tournais, voilà, hop, je faisais un épisode de 20-30 minutes, puis c'est bon. Mais c'est après l'editing qui était très long. Donc, généralement, je le faisais le matin, de bonne heure. Des fois, je crois que même je le levais de bonne heure pour faire l'editing. Je Ouais, laissais le quand même. PC tourner toute la journée. Et je touchais à rien. J'allais pas sur Internet. Enfin, j'allais pas trop sur Internet ni quoi que ce soit pour pas qu'il rame. Ouais. Et ça me prenait entre 12 et 14 heures. Donc après, souvent on me disait, mais c'est quand sort l'épisode? Je crois que Chromos une fois m'avait dit, ouais, mais c'est quand que tu sors l'épisode tel de Pokémon Jaune? Bah, je disais, écoute, je fais ça, je fais l'editing. Des fois, j'avais même des retards par rapport aux épisodes parce que je disais, il sortira à temps. J'avais un peu de retard par rapport à un editing qui prenait pas mal de temps. Mais c'est ça, c'est la passion. C'est la passion qui fait ça. Voilà quoi. Akio le sait, une fois j'ai passé une nuit blanche pour une vidéo, Ouais, tu m'as dit aussi. il me disait ce gars est fou, il passe une nuit blanche rien que pour une vidéo. Je confirme, tu es fou. Ah non, mais je sais, je suis là. Mais voilà quoi, c'est franchement c'est une passion. Je dis faire des vidéos sur les jeux, c'est une passion. Ah bah, pareil pour moi. Et je suis content et j'espère que tu continueras aussi longtemps que moi. Non, je continue. Bah dis-toi, ceux de chez moi trouvent que c'est un peu spécial, mais moi je m'en fous, j'aime bien les choses spéciaux, donc voilà quoi.
Ah là là, ils comprennent pas ce que c'est la passion. Mais disons que je veux dire une chose, je crois que je l'ai déjà dit, mais je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je veux dire une chose. Quand tu regardes des émissions de jeux vidéo, tu regardes les mecs qui genre Retro Game de Marcus, ou même il y a pas longtemps, j'ai découvert les chez Marcus. Tu vois, les gars, bon, ils font, c'est pas sur un seul jeu comme nous, ils vont pas faire un LP sur un jeu, sur plusieurs, non, ils vont faire, par exemple, une émission sur 5-6 jeux. Vous voyez, bon, il y a une phase de gameplay où ils commentent. Et ça donne envie, ça, tu regardes, t'es là, tu te dis, putain, c'est vrai que c'est excellent, j'aimerais bien faire ça. Et comme je dis, le jour où j'ai vu un gars qui commentait sur Pokémon Bleu, tu apprends, et j'avais mes potes Nus et Drac de The Slack Asby 350 qui eux aussi me montraient que bah, c'était faisable, on pouvait le faire, c'était faisable, qu'il fallait juste avoir un PC, des logiciels, un logiciel de montage, mais qu'on pouvait faire ça pour jouer à un jeu, poser notre voix et piailler tout au long on faisait un jeu. Mais j'ai trouvé ça excellent, j'ai trouvé ça génial et j'ai dit pourquoi pas essayer. Ah mais moi c'est pareil hein. Je crois que je l'ai dit dans la vidéo de mes 1 an, mais au début j'étais surtout sur Dailymotion et je suivais un gars à fond. Et franchement, mais enfin, au début j'étais tombé sur ses vidéos vraiment au bol. Mais je sais pas, quand j'ai vu ce qu'il faisait et tout, je me suis dit putain, mais c'est trop énorme ce truc, j'aimerais trop le faire. J'aimerais trop faire comme lui, c'est juste excellent ça. Et c'est là qu'après que tu réalises que... Bah à l'époque après je voulais le faire, c'est vrai, mais je savais pas comment faire, et puis bon j'ai... On peut le dire, j'étais un gros toutou. Oh, quand même. Si, si, si. Quand même. Si, si. Tu vas pas dire que t'as évolué en un grand et beau kizai et... Non, c'est vrai, j'ai rétrogradé. Je suis encore plus kikou. En fait, il a fait... En fait, ce qu'il y a, c'est que le kizai, c'était un kikou. Donc c'était quelque chose de tout mignon, tout... En fait, il a fait comme les grévistes, mais en évolution inverse. Il était le beau kikou. Qui était comme ça. Il est passé dans sa phase cocon, où il était entre le kikou et le gars normal, n'est-ce pas? Bah oui. Et après, il est devenu le kizai qu'on connaît bien. Le kizai qu'on adore. Ouais, qu'on adore, je ne sais pas. Ah, c'est quand même. T'as beaucoup de personnes qui te suivent, c'est excellent. Et puis, les vidéos que tu fais sont vraiment faites avec passion, elles sont vraiment excellentes, quoi. Bah, c'est vrai. Mais je pense qu'entre nous tous, le petit groupe qu'on est avec Pipi et nous tous, je pense que nous tous on fait des vidéos vraiment par passion et pas par intérêt. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui rend que voilà, quand on fait des commentaires, ben voilà, on est vachement dynamique, on est vachement. Voilà quoi, c'est une passion, faut voir ça comme ça. Et c'est vrai, comme il l'a dit, mais moi c'est vrai que quand j'ai vu que c'était. Enfin, c'est pas vraiment que c'est si simple que ça. Bon, après, il faut avoir le matériel pour le faire. Ça veut dire avoir un PC qui puisse faire tourner les émulateurs et en même temps qu'on puisse utiliser les logiciels de capture. C'est vrai. C'est une chose que je n'ai pas. Enfin, si, mais il n'est pas. Si, voilà, mais le problème, c'est que c'est l'émulateur voilà, qui souffre un peu, je veux dire. En même temps, c'est. Voilà, bon. Toi, t'as le PC à peu... On va dire que tu as le PC à peu près qu'il faut. Après limite je te dirais, si tu m'avais dit j'ai un netbook comme moi je faisais à mes débuts, je te dirais laisse tomber quoi. moi je m'en souviens, mes premiers débuts quand j'avais commencé à Pokémon Jaune, faut pas croire que c'était quand j'ai fait Pokémon, j'ai refait Pokémon Jaune, c'était pas notable parce que j'avais au départ quand j'ai voulu vraiment commencer mes débuts sur YouTube, et ben je voulais faire sur Pokémon Jaune, et j'avais tenté 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 non j'étais comme oula quelques captures dessus avec déjà j'ai avec Cam Studio, le problème c'est que c'était ça laguait vachement. Oh, Cam Studio. Ouais, c'est voilà. C'est le logiciel que tu vas commencer pour débuter. Et puis quand tu vois que t'as d'autres logiciels, tu te dis bon, ok, tu restes de côté, tu dégages, j'ai plus besoin de toi. C'est sûr, c'est tellement vrai. Après, j'ai tenté Pierre Cam, et puis après, ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté Pokémon, j'ai dit tiens, mais je vais essayer un autre jeu, puis j'ai calculé, et puis j'ai dit, Sonic Advance, ça aurait été pas mal, j'ai essayé. Et le problème, c'est que ça marchait bien. Ça marchait nickel. Du coup, moi, je suis tombé sur le stage où, qui est un peu enneigé. Je suis tombé sur le boss Eggman qui est très dur d'ailleurs. À ce niveau-là, le Eggman est vachement chiant à battre. Alors, faudrait limite avoir Knuckles puis qu'il sait nager. Parce qu'en fait, t'as un niveau, t'as de l'eau. Et lui, en fait, il est au-dessus, t'as de la glace. Il te balance des pics de glace. Il faut, en fait, éviter les pics de glace. Il est monté dessus pour le taper dessus et récupérer de l'oxygène. Waouh, putain, le truc de fou. Ouais, non, mais j'ai fait pas mal de fois. Et là, bah, ça laguait, c'est...
quand tu commences à quand tu ton émulateur commence à faire, tu te dis, et après que ça revient, tu te dis ouais bon, ça lag, ça commence à lag, et j'ai dû l'abandonner. Après j'ai fait Dragon Ball Advance Adventure que j'ai trouvé vraiment bien, je m'étais éclaté dessus pareil, et où il y a des fois il y avait ma voix qui était décalée par rapport au le son du jeu qui était décalé par rapport à ce qu'il faisait. Donc après bah, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai attendu d'avoir mon ancien PC qui m'a permis quand même de faire des choses, même si en allant trop loin il s'est soufflé. Là depuis voilà quoi. Oh là là. C'était les pauvres. Excusez-moi, j'étais monopolisé l'audience là. Non, c'est bon, putain, j'ai j'arrive pas à allumer une putain de torche de merde là. C'est quoi ce délire? Je sais pas, mon bâton il arrête pas de s'éteindre avant d'atteindre la torche là. Pour toi, quoi, c'est quoi ça? Bah, tu fais des roulades, tu fais tout le temps des roulades pour aller plus vite. Hein. Ouais, mais j'ai peur qu'il s'éteigne en cours de route en fait, c'est ça le truc. Vas-y. Voilà. Bon, alors, sinon, pour parler un peu du temps, parce que là j'ai passé pas mal de salles. Hein. Putain, papillon de merde là. Papillon de lumière. Papillon de lumière. Ah oui, Cindy Sanders. Moi j'ai regardé aussi Les Anges de la télé-réalité quand elle y était. Ouais, pas vraiment changé. Tu sais, la nana elle va aux États-Unis, elle sait pas parler un pet d'anglais. Elle va voir un producteur, le mec il lui demande au minimum qu'elle sache pas l'anglais. Ah non, je sais pas parler anglais. What? Le mec lui a dit, ouais, laisse tomber quoi. Il y avait même un autre mec que j'avais vu, un autre producteur qui allait m'expliquer qu'elle pouvait pas vraiment chanter anglais. Le mec il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fous aux États-Unis quoi. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous aux États-Unis, mais le mieux à faire c'est que tu reviennes en France quoi. Tu te fais une musique béton et que tu reviens en France. Oh, j'ai suivi une fois Les Anges de la télé-réalité, pardon, et après, vraiment plus. J'ai regardé quelques épisodes. Oh, c'est bien pour voir les gonzesses, la Amélie elle est pas mal quand même. Tu parles de cette saison là? Non, la première saison, il y avait je sais pas. Moi j'ai suivi que la deuxième. C'est la blondasse qui arrête pas de râler là. Mais c'est Senna que t'as. Oh putain, me faisait mal. Le coup où elle faisait attendre Senna comme un pauvre con, qu'elle prenait bien son temps pour se coiffer et tout. Moi je l'aurais claqué, j'aurais explosé contre le mur. Ou je serais parti sans elle. Attention, mesdemoiselles, Kintaro est un violent. Non, ça va. Non. Seulement le vendredi et le dimanche. Il est romantique. Ouais. Mais par contre, qu'avec les japonaises. Avec une petite touche de sel à côté. Non, je déconne. Oh putain, petite déconne. Je déconne. Même pour les japonais, je déconne. Quoique, ça me tente. J'ai envie de sortir avec une japonaise. Ah. Ce serait adorable, ce serait mignon. Oui, tu as raison. Donc, tu en es où, mon cher Kizai? Alors, là, j'ai passé, bon, alors déjà de nombreuses salles. Actuellement, je suis dans une salle un peu toute noire où j'ai allumé des torches. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ah oui, il y a l'espèce de bestiole des ombres, ouais, là, exact, qui te font chier. Et accessoirement, je ramasse aussi les 15 fées des temples, là, tu vois. Les petites fées perdues, hein. Et putain, mais comment tu vas y arriver? Bah là, j'en ai déjà 8. 8 sur 15. Oh putain. Cet homme est un fou. Non. Moi, j'y arrive pas, mais il faudra comprendre, je vais être obligé de le faire en off. Il faudrait que tu le fasses, franchement, parce que la première des grandes fées, elle te donne le pouvoir, la tourbillon, tu vois. La deuxième, elle augmente ta barre magique de 2. Là. Attends, là je me fais harceler par une libellule de merde. Vas-y. Donc je disais, oui, la troisième c'est quoi déjà? C'est le double renforcement des cœurs. Donc en gros, les mobs te font moins mal. Mm-hmm. Et la dernière, ça sera une nouvelle arme. Une épée, à deux mains. D'accord, donc en fait, le truc qu'il y a, ouais, c'est vachement important. Mais de toute façon, enfin, je le dis, j'informe, je vais être obligé de toute façon de faire du off sur Zelda Majora's Mask. Par rapport à ce que tu m'as dit sur le donjon de Pic enneigé, tu m'avais dit, mais il va falloir que tu remontes le temps par contre. Et je pense que je vais faire tout ça. Bon, par contre, bien sûr, en off. Alors, j'ai une idée, je sais pas ce que tu dis, si c'est intéressant. Peut-être de le filmer. Pardon. Et de le mettre en version accélérée, peut-être. Dans un lien cliquable, peut-être, ce serait pas mal. Le passage où tu accélères, enfin où tu remontes le temps et tout là. Remonte le temps, je récupère les faits et tout, tu vois. Ouais, bah pourquoi pas.
Ouais, ça peut être sympa ça. Non, franchement, ouais. Et mais par contre, je le fais en accéléré, ça veut dire que je prends les pistes, les débuts et la fin, puis je le fais en accéléré, quoi. Ça serait pas mal pour eux. Ouais, bah oui, bah franchement, fais-le, quoi. Alors, là, je suis de retour sur la salle centrale, mais je suis en hauteur. Donc là, si tu veux, j'ai fait apparaître les échelles pour pouvoir grimper. Là, je vais aller battre le mini-boss pour choper l'arc. C'est le crapaud ouais, avec ouais, la torche. C'est une espèce de crapaud bizarre là. Kakwa. Non, c'est comment il fait? Ah non, lui c'est. La tortue c'est Kakwa. Yeah. C'est Bruce Lee là. Ouais. Non, mais attends, c'est de grenouille. Je vais revenir sur la fucking torche parce qu'en fait j'ai une anecdote. Donc je disais, à l'époque j'avais pas réussi à la toucher parce que je savais pas que les flammes. Enfin, qu'on pouvait enflammer les flèches en fait. Du coup, j'avais fait. Dans le temple du pic des neiges, t'as déjà récupéré l'arme du temple ou pas? J'ai l'arc, mais je crois que non, je crois pas. T'as pas récupéré l'arme? Ok, bah alors j'ai utilisé l'arme du temple du pic des neiges pour revenir, pour enflammer cette putain de torche de merde. Alors qu'en fait, il suffisait juste de te tirer une flèche au travers du feu. Ah, t'es en train de me spoiler par rapport à l'arme du temple des pics des neiges? Ouais, un peu là. D'accord, donc ouais. Non, j'étais un connard, j'ai spoilé. Oh, c'est bon, t'inquiète pas pour ça. D'accord, donc si t'as joué à Ocarina of Time, je pense que tu devrais savoir de quelle arme je veux parler. C'est pas le. Enfin, je te le dirai au pire des cas. Ouais, je te le dirai en off après. Hors capture, ouais, en off, parce que là je suis en train. Soit c'est ce que je pense. Les mouches. J'ai les mouches qui m'attaquent. Elles préparent une invasion dans mon corps. Non. Arrière. Satanas. Soit c'est ça. Je te le dirai en off. Ouais. Je te le dirai en off. Parce que je suis en train de calculer. Si tu me dis, je suis en train de calculer. Ouais, non, t'inquiète. Pense bien. Mais par contre, ça va bien m'aider pour le truc, quoi. Ah bah oui, bah... Les trucs qui me font chier. De toute façon, dans les Zelda, c'est toujours comme ça. L'arme du temple, elle te servira dans le temple, ça c'est obligé. Et à battre le boss, oui. Généralement, c'est aussi, ça, aussi c'est ça. Aussi à battre le boss. Ok, donc là, on a l'arc. L'arc, franchement, je sais pas toi, mais c'est une arme que je kiffe bien dans les Zelda, l'arc. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, putain, ouais. Par contre, pour viser sans la manne 64, c'est un peu galère. Tu sais comment je te disais que j'avais pas réellement de problème, moi, de mon côté, par rapport à ça. Je tiens à préciser que oui, après, j'ai eu des problèmes. c'est là où j'ai calculé, j'ai dit... Ouais, non, mais Kizae, il a totalement raison. Il faut la... Ah non, mais pour profiter à la manette, fond d'un jeu comme ça, il faut vraiment la manette extraterrestre, la 64. Ouais, mais dans tes souvenirs, toi, elle était épaisse cette manette. Enfin, je prouve qu'elle était grosse par contre. Ouais, ouais, elle était énorme. Alors, attends, parce que là, j'arrive pas à enflammer cette torche. Pourtant, je tire dedans, hein. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, t'y es arrivé ? Parce que c'est. Faut avoir le bon timing, c'est complexe. C'est sûr, putain. Oh, mais Zelda, mais moi, je te dis juste une chose, dans l'épisode 10, j'ai ragé à un moment. Non, mais faut pas rager. J'ai ragé. Ah si, mais j'ai ragé. Bon, je suis. C'est marrant des fois quand on rage. C'est bien. Oui, c'est vrai que les gens aiment bien des fois voir rager. Ils aiment bien ça. Bande de sacripants. Surtout, mais moi je pense qu'à mon avis, il y a toi ton côté, toi c'est le côté tu vois pro, c'est-à-dire le gars qui connaît vraiment Zelda. Et moi je pense que de mon côté ils ont le côté le gars qui découvre, tu vois. Donc le gars et en plus le pire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si tu fais un jeu en découverte, t'auras plus de mal si tu commentes derrière, si tu parles et tu commentes, que si par exemple tu vas jouer comme ça, quoi. C'est sûr. T'auras plus de mal. Ah, mais c'est sûr. T'as ton commentaire. Bah, regarde le live, hein. Je le connaissais pas. Franchement, des fois je dis quoi. Alors c'est par là, je crois. Ah non, fait trop pas. Alors je vais passer par là. Ah non, fait ça pas par là. Bon. Et il est où le machin du truc bidule chouette qui devait m'aider à ouvrir la putain de porte, qui devait m'accéder au boss de la. Ouais, c'est ça le truc. C'est surtout. Je crois que pour vraiment bien aborder un let's play, des fois, vaut mieux le faire sur un jeu que tu connais un peu les astuces, tu connais le gameplay. Parce que si tu connais pas réellement le gameplay ou autre, bon, après Zelda Majora's Mask, c'est un peu comme Zelda Ocarina of Time, tu vois. Mm-hmm. Bah, mais après,
Bah je sais pas, franchement, c'est vrai qu'en général quand tu fais quand tu fais un let's play, je sais pas en fait. Moi je trouve que un mec qui connaît pas non plus un jeu et qui le découvre en vidéo, ça peut être aussi intéressant. Oui, ouais, en même temps, oui, parce que en même temps, si tu vois par là, c'est le. T'as le côté où tu vas avoir des imprévus, où le gars par exemple, il va gérer un temple comme un dieu, et puis bon, d'un seul coup, il arrive au deuxième temple, et il va failler, donc il va rager, donc ça anime un peu, tu vois, le commentary, tu vois, ça anime, quoi, tu vas dire, putain, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que ça fait chier ce truc-là, j'y arrive pas, et tout, tu vois. Donc, ouais, c'est pas mal. Après, bon. Des fois, je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment bien aussi quand les gens connaissent le jeu et sont capables, tu vois, de leur expliquer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, moi je trouve que c'est vraiment qu'un détail, quoi. C'est vrai. Parce que si ça se passe, parce que c'est si, après, bon, après ça dépend. Parce que tu peux avoir un public qui connaît le jeu lui aussi. Et du coup, il va rigoler à train de te voir galérer sur un truc tout con et tout simple. Comme après, bah voilà, tu peux avoir un public qui connaît pas le jeu et qui rigole, ou toi tu galères aussi. Ben, de toute façon, on m'avait averti, Maritas m'avait averti. Putain, à l'époque où je disais, ouais, je vais faire Majora's Mask, je vais faire une découverte, il me dit, ouais, mais je te préviens, tu fais une découverte, mais tu vas en chier. Tu vas galérer, hein. Tu connais pas le jeu, tu vas galérer. Et pas tort! Pas tort, la petite Maritas. Et le pire, c'est que. Mais en même temps. Il est vraiment excellent, quoi, parce qu'il est vraiment complet, les donjons sont Les vraiment donjons sont uniques, vraiment tu vois. longs, hein, je trouve. Ils sont longs, ils sont bon assez durs quand tu connais pas. Bon là je te dis, le temps de bois cascade, j'ai même pratiquement fini déjà, hein, on est à 22 minutes presque. Et j'en ai déjà fait pratiquement les trois quarts, quoi. Allô? Ouais. Bah le premier temps, encore, c'est peut-être pas le pire. Non. Oui, alors tu Oui, m'entends? je t'entends. Mais à un moment, je t'entendais plus. Ah, bah c'est Skype qui a bugué, Ouais. attends. Un truc? Non, mais maintenant Non, c'est bon, pourtant, ouais, c'est bon. il a dû avoir un léger truc, peut-être, je sais plus quoi. Ouais, je pense aussi. Ah, mais Skype, mais mes amis, vous savez pas que Skype, il est passé en mise à jour, il était plus merdique C'est qu'avant. clair. Mon dieu, avant je me rappelle, mais Oh. Je sais pas, c'était le paradis, quoi. Voilà, quoi. Il buguait pas du tout, hein. La Skype, c'est Ah, mais bon. abusé. Ah, le fameux crapaud. Ouais. Maintenant. Et au couteau noken. Survivant de l'enfer. Non, oh non, non, qui c'est non. Ah non, ça c'est. Comment ça s'appelle? Ça c'est Transante Hyper, là, sur Skype. Non. Ah, ça faudra lui dire à elle, hein. C'est celle qui a commencé à chanter le générique en français. Elle est horrible. Il est horrible. C'était innommable. Les doublages qu'ils ont fait sont horribles. C'est tel un cerf et un cheval. C'est du Michael Gluck en boîte. C'est du Michael Gluck en boîte. C'est pas possible. On peut pas aimer ce générique-là. On ne peut pas aimer. Comme bonne pause. Encore, c'est un peu plus mignon, mais bon, après, quand tu vois le manga, tu te dis, tu sais, t'écoutes la musique avec la voix d'Ariane, ce qui fait Dragon Ball Z, le gentil saut, Dragon Ball Z, nanana. Et puis, quand tu regardes le manga, c'est que baston, c'est des fois effusion de sang. Ouais, c'est sûr, bah, effusion de sang, les mecs percés. Tu te dis, mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, mais c'est la Ségolène Royale, elle avait pété un câble par rapport à ça. Hein. Ah ouais? Putain. À l'époque où c'était passé, elle avait pété un câble. Et pourtant, c'était censuré. Genre le passage où Goku se bat contre Vegeta en Ozaru. Oui, le scrapeau de merde, là. Ben, il y a un passage où ah, là, tu vois, t'as Vegeta qui va l'écraser avec son doigt. Et tu reviens, ben, t'as Vegeta, il est. Enfin, Vegeta, ouais. Ben, moi je dis en version je japonaise. Il manque un œil. Tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre? En fait, moi j'ai regardé la version originale, bah c'est Goku, il lui a balancé une boule d'énergie, ça lui a explosé. Le Genkidama? Je crois que c'était un morceau du Genkidama. Ah, parce qu'à l'époque, il le maîtrisait pas totalement, enfin je suis pas sûr. Hein. Bah quand il a voulu le faire et que l'autre il l'a vu, il lui a défoncé la gueule, ouais. Ah, mais Dragon Ball Z, quoi, c'est vraiment si... putain d'aliment, pêche. Ouais. Ah, ça commence à se barrer en couille avec Boo et encore.
Ça, ouais, ça a été, mais c'est pas ma saison préférée. Enfin, Bo. Bah, j'ai quelqu'un qui m'a repris, parce que nous on dit Bou. C'est Majin Bou. Qu'en japonais. Ouais, mais c'est pas Bou, je crois. Parce qu'en japonais, quand ils rajoutent, hein, quand tu vois, tu sais, quand tu retranscris les hiragana ou les katagana en lettres latines, soit tu as un O, c'est quand c'est pour les O, soit c'est un O circonflexe. Ouais. Soit c'est OU. Et OU, ça veut pas dire OU, en fait, tu doubles la voyelle. Ah, donc ça fait beau. Ce qui est arrivé, tu sais, comme Kido, tu sais, comme dans Bleach, quand tu fais, une fois, je crois que t'as Byakuya, Kuchiki, non, oui, Kuchiki. Kuchiki, ouais, Byakuya, ouais. Ouais, quand il se bat contre Renji Abarai, qui le bloque avec un Kido, qui fait Kido, Sanjusan, Sokatsui, il dit Kido, il dit pas Kido. Tu sais, quand tu vois, c'est retranscrit en Kido. Il dit pas Kido, il dit Kido, Sanjusan, Sokatsui. Kido no Sanjusan. Kido. Et ça, par contre, tu le retrouves beaucoup. Alors, en anime ou en parlant, il le accentue pas trop, tu vois, ça. Ce truc, là, la double voyelle. Par contre, tu l'entends beaucoup dans les musiques. Dans les musiques, quand il chante, il accentue beaucoup. Dans les openings, tu dis. Kido night. Ouais, mais dans les musiques, dans n'importe quelle musique, t'écoutes de la J-pop, t'écoutes du visual kei, t'écoutes du rock, t'écoutes du rap japonais. Peut-être pas trop le rap, mais dans la J-rock et tout ça, tu verras des fois. Moi, des fois, quand je lisais les karaokés, je faisais Kido, et là, tu faisais Kido ou Anao, tu vois. Oh no, tu vois. Ok. C'est comme pareil, quand tu vois une double lettre comme K. Il faut accrocher en fait la syllabe. Ouais. Tu vois, c'est il faut que tout ça, tu vois. Caca, des trucs comme ça, tu vois. Il y a plein d'autres, mais ça c'était, je l'ai vu sur un site qui s'appelle. Ah, oh, je sais même plus comment il s'appelle ce site. Il y a un site qui m'explique, pour apprendre le japonais, bon, tu peux soit tu as une partie payante, tu as une partie gratuite. Et la partie gratuite, bah après, en fait, t'es voulu avec les ceintures, les Q et les ceintures de judo, ouais. Tu vois. Et il t'explique tout ça, c'est un site qui est vachement complet, je sais plus comment il s'appelle, c'est... Jap, je sais plus comment il s'appelle. Peut-être. Non, c'est pas ça, c'est un autre nom. Je m'en souviens plus. Je t'en rappellera. Je le chercherai au pire des cas, j'avais un compte dessus, je le chercherai. Et qui est pas mal, remarque, bon... La langue japonaise est très très dure. Ouais, c'est sûr, hein, t'as tellement de hiragana, kanji, tout ça là. Katakana. Alors, les hiragana et les katakana, au pire des cas, tu peux les apprendre. Tu peux les apprendre. Tu sais, alors, bon, après tu les apprends les principaux. Après, t'as ceux où tu rajoutes par exemple soit ça ou soit ça fait kia ou quoi, tu vois. Ça, j'avais pris les hiragana, je crois que je les avais sur ce site là. D'ailleurs, t'avais des exercices, je crois que je les avais connus par cœur. Je les connaissais à peu près par cœur. Bon, c'est pareil, apparemment le pire c'est le katakana. Après les kanji c'est le pire. Attends, une chose que j'ai vu, ça c'est sur la chaîne de No Life. Baka, ça s'écrit quoi? Tu sais que ça s'écrit sur deux kanji japonais. Baka, non. Devine lesquels. Baka, non. C'est deux kanji, non, c'est deux kanji. Non, en japonais ça s'écrit avec deux kanji distincts. Il y a une histoire par rapport à ça. Ah, je sais pas alors. Ça s'écrit avec le kanji du cheval et le kanji non. Du cerf. Je te jure, j'ai vu ça sur No Life, sur No Life, t'as une émission qui t'apprend le japonais. Et la fille, elle parlait du mot baka, et en fait, elle prenait la chanson de Miku de N-Café, où Miku il dit, enfin, je sais plus c'est quelle chanson. Je sais plus comment elle s'appelait cette chanson. Mais d'ailleurs, c'était à l'époque où il y avait pas Beau, il y avait Takuya et je sais plus comment il s'appelle l'autre, avec les cheveux bouclés, enfin bon, bref. Et il disait, ouais, mais Baka, ça s'écrit avec le kanji, je crois, Uma, qui est cheval, et Chiba ou Chiza, le kanji du cerf. En fait, c'était le truc, c'est un empereur chinois qui voulait, je crois, qu'on lui offre le plus beau un cheval. Et il y a son fils et tout ça, il avait pas trop de chevaux, il avait pris un cerf, il lui a venu devant lui, il lui a dit, regardez, voici un cheval. Okay. Ah, prendre, ouais, pour un imbécile. Et l'empereur il dit, c'est pas un cheval ça, vous me prenez pour un imbécile, pour un idiot. Je vois bien que c'est pas un cheval, c'est un cerf. Et depuis c'est devenu ça. Donc, Whitehead, si tu vois cet épisode, tu constates que cheval c'est horrible, mais que cerf ça l'est tout autant.
c'est un truc, tu vois, c'est tout con, quoi. C'est vraiment con, quand tu calcules bien, tu te dis, ah ouais, d'accord, tu fais... J'ai des boss de merde, désolé parce que là, je suis sur le boss. Ah ouais. Bon, je disais des choses totalement non, mais spéciales. J'ai entendu, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est faut comprendre que Plaka se situe avec le kanji du cheval et le kanji du cerf. Donc, c'est... Oh putain, faut que je le fasse avec Wayden, je vais l'appeler, je vais le traiter de Plaka. Et je vais lui dire, Plaka c'est horrible. Allez, crève. Ah putain. Putain, ça m'a donné une idée. Ben désolé si on parle pas trop du jeu, c'est vrai que vu qu'il y a pas trop là, il y a pas le partage des planches, pas trop voir ce quoi. Mais bon, on arrive quand même à argumenter, à avoir un bon commentaire, même si des fois je parle de choses qui n'ont rien à voir. T'es en train de te battre avec oui, le boss guerrier là, Odoloa. Ouais, et tu obtiens le masque d'Odoloa. Le truc qu'il y a, c'est que ce boss, je l'ai fait chelou. C'est l'espèce. Je savais pas qu'il mettait tant de temps à creux, mais bon, on m'a dit qu'on pouvait le buter plus vite avec les bombes, mais je vais la jouer à la loyale. Mais y'a le coup des papillons là qui te niquent la gueule et qu'il faut vous faire exploser une bombe pour qu'ils aillent dessus. Les papillons sont attirés par le feu. Du coup, bah il leur faut une source de chaleur et après tu les fais péter là. Putain! Bah, j'ai battu le boss et accessoirement j'ai aussi obtenu les 15 fées là. Ah putain, le gars, mais je vous jure, c'est un fou, je vous jure, c'est un fou, mais franchement, si vous voulez vraiment tout connaître de Majora's Mask, allez voir quand même la chaîne du Kizai, parce que franchement, il s'y connaît à fond, quoi. Mais non. Et surtout, autre chose, je vais vous dire, surtout une chose, surtout quelqu'un qui est passionné par Majora's Mask, c'est le plus important. Ouais. Là, par contre, je peux pas cacher que c'est vraiment, je le fais vraiment avec l'âme du fan. Ah mais c'est ça qui est plus important. C'est ça qui est bien dans un commentary. Dans un commentary, c'est voilà, c'est qu'il faut que tu sois fan. Faut que tu sois fan du jeu ou au moins de la série. Même si tu le fais par exemple en découverte, tu vois. Il faut que tu sois fan de la série. Genre tu vois, bon voilà, j'ai fait Majora's Mask parce que j'ai trouvé que Ocarina of Time était excellent. J'ai essayé d'autres jeux Zelda, je les ai trouvés excellents. Donc après j'ai dit ouais mais pourquoi pas le faire en découverte. Je l'avais déjà fait avec A Link to the Past, tout c'est pareil, j'ai regretté. Parce que c'est pareil, je me faisais exploser la gueule, défoncer la gueule, bon, un truc de malade. Le premier temps, je pouvais dire une chose, je l'avais recommencé en 4-5 épisodes. Oh putain. Bon là par contre, je vais t'interrompre un petit peu, parce que là on arrive vers la salle des 4 géants. Enfin, du premier géant, pardon. Bon, mais si vous avez compris, il paraît... Enfin, je pense que t'as compris qu'on en aurait plusieurs de ces mecs-là. Ouais, oui. Et en fait, on va en avoir 4 sur les 4 zones. Exact, nord, sud, est, ouest. Donc je lirai vite fait les dialogues. Hein. Deux secondes, écoute, on dirait qu'il dit quelque chose. On dirait qu'il essaie de nous apprendre une chanson. Allez, reste pas là, rien faire, prends ton instrument. J'aime bien la gentillesse de Taya. Au moins, elle est franche, elle. C'est pas comme l'autre. L'autre, je la trouvais un peu suspecte. Je suis sûr qu'elle, nous critiquait par derrière. Vous disiez qu'on était nuls. Mais si, mais elle était trop bonne pour être honnête, cette pauvre petite fée. Au moins Taya, elle, on sait que on peut lui faire confiance. Mmh. Bah, c'est vrai qu'au début là, elle est méchante, mais après ce passage avec le chant, elle va quand même changer radicalement de mentalité. Hein. Oh, ça va être une amie. Et moi, je sais pas ce que t'en penses, mais la salle avec les géants là, enfin avec le géant, tu sais, c'est un décor un peu tout vert, un peu brumeux, où l'image elle est un peu floue, avec plein de bulles et tout autour. Moi, je trouve ça putain de beau quand même. Franchement, ouais, là, franchement, ils avaient bien fait les trucs à l'époque. C'est franchement, je veux pas être méchant, mais Zelda, c'est le jeu, comme Zelda Majora's Mask et tout ça, et Ocarina of Time, c'est des jeux. T'auras des jeux genre PlayStation et tout ça qui vont extrêmement vieillir, tu vois. Genre, tu prends un Tomb Raider, le premier, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu regardes ça, tu rigoles, tu te dis, ouais, c'est trop top, tu vois. Mais Zelda, que ça soit OOT et MM, c'est pas des jeux qui vieillissent énormément. C'est des jeux, même si c'est du rétro, ça reste regardable, ça reste intéressant à faire. C'est vrai. Intéressant à voir.
et à jouer. Ça ne vieillit pas Même pas trop. du tout, j'ai envie de dire. Voilà, alors que t'en as certains. Tu prends les jeux de PlayStation. Avec Kalamba, Ouais. quoi. Hein. C'est un peu spécial, hein. Moi, je sais que, genre Medieval, c'était un jeu que j'ai joué quand j'étais 11-12 ans, sur PlayStation. J'y ai rejoué, j'ai retesté il y a pas longtemps. C'est vrai que j'ai regardé, je suis, ouais, c'est un peu de la 3D fil de fer, c'est un peu fil de fer, tu vois, c'est pas. Voilà, quoi. Ça vieillit, quoi, que Zelda. C'est vrai que la N64 avait une puissance graphique telle, même si là, ils ont été obligés d'utiliser l'Expansion Pack. Ouais, Oui, ça c'est s'appelle comme ça, ça, je crois. Expansion Hein. Pack. Bon, voilà, quoi. Ils arrivent à avoir un niveau de graphisme qui était quand même Ah oui, c'est excellent, sûr. quoi. Franchement, pour la console, ils ont fait. Même s'ils ont sont fait un peu. Peut-être pas niquer la gueule, mais on n'y a pas trop cru parce que. Ils ont décidé quand même de rester sur le coup de la cartouche, alors que Sega avait sauté le pas avec la Saturn, avec le CD et Sony C'est aussi. vrai. Mais à côté, les jeux graphiquement, ils étaient beaucoup plus beaux que sur la PlayStation, quoi. C'était beaucoup plus magnifique. C'est vrai. On va dire que voilà, PlayStation, eux, ils ralliaient les ados et les adultes. Nintendo, Nintendo, c'était je pense qu'il a plus. toujours visé un peu le public un peu jeune. Ouais, ça a toujours été public un peu jeune. Et après, même à l'heure actuelle, où les deux grosses consoles qui sont PS3 et X360, de leur côté, visent le graphisme. À l'époque où la Play 3 et la Xbox 360 étaient sorties, je crois, sans raconter de conneries, je l'avais même vu sur une émission, certains disaient que ces consoles-là étaient au niveau des PC de l'époque. Bon, maintenant, on sait tous que maintenant un PC fait 10 fois, voire 100 fois mieux qu'une console, C'est vrai. qu'une PS3, une Xbox 360, c'est obligé. Le problème, c'est qu'il faut avoir, par exemple, je crois qu'il faut balancer. Alors, je crois, en entrée de gamme, je crois que c'est 700-800 euros. Après, si vraiment mon truc, c'est voilà, 1500 euros quoi. C'est voilà, ouais, mais après, bon, t'as un truc qui dure 4-5 ans quoi. Après, t'as raté dessus, si quoi. Tu changes une pièce, quoi. Tu changes la carte graphique, tu vois que la carte graphique est pas assez puissante. Tour, clic-clac, puis c'est bon, quoi. Mais bon, voilà, après, faut les sortir, les sous. C'est vrai qu'il faut les Ah sortir, les ouais, c'est sous. sûr, hein. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque où la PlayStation 3, je crois, était sortie, beaucoup disaient, mais qu'elles arrivaient au niveau graphique d'un PC, quoi. D'un PC à cette époque. Mais bon, le PC l'a très rapidement dépassé. Hein. Truc de fou. C'est un truc de malade. Mais ça, j'avais vu, je crois, dans l'émission. Je raconte Non, pas de mais conneries, hein. je te crois, hein. Ne pas. Dans les commentaires, ne disais pas. Ouais, oh, tu racontes des conneries, Kiki. Le PC a toujours été devant la console. Non, je dis pas. De toute façon, les PC ont toujours été devant la console. Moi, passé un temps, je disais, non, non, c'est pas vrai. Mais en fait, si. En réfléchissant bien, je le dis. Maintenant, je le répète. C'est vrai qu'en regardant les jeux genre Battlefield 3 sur des PC de gamer, je pleure devant ma console. Je chiale devant ma console parce que la console n'arrive pas à avoir ce niveau graphique que les PC ont. Putain, truc de fou. Ah oui, non, mais tu pleures quand tu vois DX9 sur Battlefield 3. Le mec, il fait tourner ça à fond. Et encore, il filme derrière, dessus. Tu dis ok, quoi. What the fuck? Bon, voilà, après, bon, et les consoles, qu'est-ce qu'il y a de bien avec une console? C'est que t'as pas besoin de bidouiller ta console, tu sais que tous les jeux passeront C'est dessus. vrai, T'as pas c'est besoin de vrai. bidouiller. Qu'un PC, t'es obligé de bidouiller. Une console, c'est fait pour des fois. Je crois que notre beau vieille console, c'est une console, c'est fait, je crois, pour durer 7 ans, alors qu'un PC, des fois, les configs à 3-4 7 ans ans, une console. je Putain, crois, ouais. ma PS2, ça, ma T'as un PS2, ça fait un PlayStation moment que je 2. l'ai, hein. Pourtant elle marche toujours. Non, mais disons que avant qu'on passe à une autre Ah, ok. génération, à une autre génération de console, à de nouveaux graphismes, à Ah, de nouveaux ok, méchins et ouais. tout, Là, tu m'as entre la flippé. Bon, en même temps, PlayStation je me suis 2. dit, c'est bizarre parce que ma Oh. console, je l'ai de bien, depuis plus de bien. Depuis bien plus de 7 ans et. Ouais. Bah, désolé, j'ai eu ma grand-mère qui est Non, rentrée dans t'inquiète, ma chambre, qui t'inquiète. fait un petit coucou. Bah, coucou à la grand-mère de Fabien. Disons, on en Et dans les parlait. commentaires, je veux aussi que vous disiez Voilà. coucou à la grand-mère de Fabien. Voilà. Voilà, ma mamie que j'adore énormément. Et voilà, en revenant de tout le temps, je parle de génération de consoles. Par exemple, c'est le temps
Imaginons, voilà, la PlayStation 2 est sortie en 2001, il a fallu 7 ans pour avoir la PS3. Parce qu'après, le temps qu'ils développent une nouvelle technologie, là c'est pareil, hein, je crois que PS3 est sorti en 2007, on arrive à 2012. 5 ans, dans 2 ans, c'est sûr et certain, on aura une nouvelle génération de consoles. Xbox 720, je sais pas quoi là. Ouais, mais le gros problème, il... est-ce que ça va arriver au niveau des PC? Je ne sais pas. Je sais qu'on a eu une rumeur d'une PS3, de la config de la PS4 avec un AMD quad-core à 3,4 GHz, 4 graphiques, je crois que c'est les derniers Radeon qui sont capables de supporter la 4K. La 4K, je crois que c'est du 7000, je connais pas le chiffre exact, mais c'est du 7000 et quelques pixels par 4000 et quelques pixels. Putain. Le gros problème, c'est que beaucoup ont dit non, c'est pas possible parce qu'à l'heure actuelle, aucune carte graphique n'arrive à faire tourner des jeux sous cette résolution-là. Mais bon, c'est des rumeurs, hein, tu sais. Beaucoup de rumeurs qui sortent, et quand c'est pareil, quand on a eu la PSP, ils parlaient de la prochaine PSP, il y a la Vita, tu dis. Entre autres. Il y avait beaucoup de rumeurs, c'était ouais, mais elle fera ci, elle fera ça, elle sera comme ci, elle sera comme ça. C'est marrant, sur le jeu, les consoles, toutes les rumeurs qui se font derrière pour la prochaine génération. Ah oui, mais c'est hallucinant. C'est elle fera ci, elle fera ça. Non, elle aura un écran quand il rack, ça fera. C'est impressionnant. Et bon, après, tu t'aperçois qu'au final, bah, ouais, c'est pas trop clair. Ça. T'imagines un truc high-tech et tout. Quoique la PS, moi je sais que quand j'ai eu les nouvelles générations de consoles, quand j'ai eu moi au départ, j'ai commencé avec la Xbox 360. J'ai vu, j'avais Sonic the Hedgehog que à l'époque j'avais trouvé excellent, mais quand j'ai réu sur PS3, j'ai trouvé merdique. Les graphismes déjà, mais j'ai me bluffé. J'ai joué à Overlord qui est magnifique. J'ai joué à Naruto Rise of a Ninja qui était le seul, non, à la base qui était le seul Naruto qui devait sortir sur Xbox 360. Parce qu'à l'époque, Bandai, je crois que c'est Bandai pour Naruto. Ouais, c'est Namco Bandai, il me semble. Jasper. Namco Bandai, bah, il sortait pas de jeu sur la Xbox 360 et était boudé. Ben, c'était le seul, c'était le studio Ubisoft canadien qui avait fait le jeu. Je m'en souviens quand tu te baladais à l'extérieur de Konoha, les graphismes et tout. Je te jure, mais j'étais impressionné. Maintenant, ça fait plus le même effet. Tu t'es habitué à ce genre de graphisme. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. À cette époque, t'étais. Waouh! Truc de fou, hein. Tu sors déjà de la PS2 qui, en fin de vie, sortait des jeux, des monstres. Je parle Shadow of the Colossus, je parle de plein de jeux qui, à l'époque, sortaient des monstres. T'arrives à la prochaine génération qui fait 10 fois mieux. Tu vois les détails sur les pierres. Moi, à l'époque, moi, je regarde beaucoup des fois les environnements sur. Quand je arrive à une nouvelle génération de console, sur un jeu, je vais regarder les environnements. Ça veut dire l'eau, comment il est fait, les pierres, comment elles sont faites, comment sont les arbres et tout, tu vois. Tu vas me dire, c'est un peu con, mais pour moi, un bon jeu, enfin, un jeu qui graphiquement doit être bon, tu dois avoir des éléments de décor qui doivent se rapprocher de la réalité. Putain, mais Naruto Rise of Ninja, je regardais les rochers, mais après, quand j'allais me balader, ben, je regardais les mêmes rochers chez moi, je me dis, non, mais sérieux, c'est pareil. Énorme. J'étais comme ça, je fais, mais c'est à peu près pareil, tu dis, mais. À l'époque, on passait de la PlayStation à la PlayStation 2, on regardait les cinématiques de la PlayStation. Quand on est passé à la PS2, on se dit, mais les cinématiques de la PlayStation, eh ben, on les voit sur la PlayStation 2, tu vois, presque. C'est pareil, j'étais impressionné. Maintenant, bah, tu vois, c'est presque, tu joues à un jeu genre. Des jeux de films d'animation. Tu joues au jeu, c'est la film d'animation que tu joues, quoi. C'est sûr. C'est là, je suis en train de poser la question, jusqu'où ils vont aller? Dieu sait. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, mais. On n'a pas beaucoup parlé de Zelda. Même presque pas du tout. Pas du tout. Alors, on a parlé du Japon. Alors, on bon, je vais quand même te dire qu'on arrive à 44 minutes. J'ai déjà fini le temps. J'ai pris le pouvoir des fées, un nouveau cœur qui m'a fait un nouveau réceptacle. Donc, je pense qu'on va se quitter là. Mais avant tout, j'aimerais quand même juste toucher deux mots par rapport à Zelda quand même. Donc le géant à la fin de sa chanson nous a dit appelle-nous. Alors ça c'est il faut le retenir parce que alors le chant qu'on a appris là, il va nous servir vraiment vers la fin du jeu. Donc retenez-le pour ceux qui connaissent. Chut. Genre moi je ne te dirai pas pourquoi. Mais écoute, je vais dire une chose, Iriusa a fait sur Majora's Mask, j'ai regardé la fin. Je sais à peu près ce qui se passe à la fin.
Mais après, pour le reste, j'ai pas trop regardé en entier son LP sur MM, j'ai juste regardé le moment un peu à la fin. Donc voilà. Donc moi aussi, c'est chute, pour ceux qui savent pas, je dirais. Et dernière chose, alors Taya, après avoir fini le temple, elle s'est excusée de nous avoir fait du mal pour Epona, pour le cheval, pour blablabla. Et à un moment, elle a passé une phrase, on dirait, elle a dit, tiens, c'est marrant, enfin, bon, pas exactement comme ça, mais elle a dit, on dirait que tu as déjà combattu auparavant. Donc ça, c'est une référence évidente à Link de Ocarina of Time. Hein. Mmh. Bah... Oui, il a déjà battu avant, bah, il a niqué la gueule à Ganondorf, il a sauvé une princesse. Voilà quoi, c'est... Et Link, il est vachement sous-exploité. Ouais, hein, Mais au moins, il demande... au moins, il est pas comme Mario, il a pas de gâteau à la fin. Lui, il fait ses missions humblement et repart en silence. Très bien demander un petit bisou. C'est vrai. Quand même, un petit bisou. Quand même. Non, c'est vrai que Link, c'est pas un personnage qui est intéressé. Un autre personnage qui n'est pas intéressé, qui est surtout assez je m'en foutis, mais quand il y a une cause, quand il y a quelque chose qui se passe mal, ben il n'hésite pas à mettre son grain de sel, c'est Sonic. Ouais, c'est vrai. C'est le personnage, je m'en foutis, Sonic, surtout quand tu passes sur les adventures, c'est vraiment le personnage, je m'en foutis, tu vois, c'est voilà, je suis libre, je fais ce que je vous emmerde. Je crois que c'est... Et quand il y a un problème qui va pas, genre Eggman qui fout encore son grain de sel, qui fout le bordel, mais il hésite pas à mettre la main à la pâte et à dire, bon, mais toi, Coco, je vais t'arrêter, je vais te faire chier, quoi. C'est vrai. Des peu de Sonic que j'ai joué et vu, c'est vrai que Sonic est vraiment, je m'en foutiste, mais alors écoute, après, quand vraiment il y a... Écoute, je vais le dire à ta... Ouais, je vais le dire à ta... dans ta vidéo... certainement moi, après Zelda MM, il y a de fortes chances, je vais vous dire, entre 80 et 90% de chances que je refasse. Bon, pour ceux, mes abonnés qui ne m'ont pas connu sur Ryuzaki 15210, je l'avais fait en LP, mais il y a entre 80 et 85-90% de chances que je vous fasse, après MM, Sonic Adventure. Ça, c'est une bonne Adventure DX Director Cut. Après, disons que voilà, moi j'ai mes deux jeux, franchement mes deux personnages de jeux vidéo préférés. Avant c'était que Sonic, mais maintenant c'est vrai que j'en ai deux. Je suis polygame, enfin polygame. Polygame. PolyPNG. C'est vrai que Zelda j'adore par sa noblesse, et tout. C'est un héros qui est vraiment excellent et tout. Voilà, Link, ouais, plutôt Link, voilà. Zelda, j'ai fait une grosse faute. Je vais faire la faute. C'est quand même la fille qu'on doit sauver. C'est comme tout héros, c'est comme Mario. Bon, on va dire c'est un plagiat de Mario. Link, il est noble et puis c'est vrai qu'il est pur comme personnage. Il est noble, il est pur, il est pas trop intéressé, tu vois. Puis au fur et à mesure, ben voilà, il a une noble quête, c'est soit de sauver, bon, encore une princesse à la con qui s'est fait encore embarquer par je ne sais quel inconnu pédophile. Non, je déconne. Non, mais tu vis avec ce personnage, tu vis des aventures, tu vis des choses que moi je parle de quoi je parle par rapport, enfin je parle en termes par exemple sur OOT, sur TP, encore que je suis bloqué au Donjon des Gorons. Je parle de Skyward Sword. C'est des jeux qui sont voilà, ça t'emporte dans un univers qui est somptueux, magnifique. Sonic, bon, c'est pas vraiment des univers sans jeu magnifiques. Moi, je trouve, après, c'est surtout sur Sonic Adventure, c'est le côté cool, relâche, quoi. Et encore pire, surtout si, alors, ils l'ont annoncé, surtout s'ils sortent sur le PSN, c'est Sonic Adventure 2. Alors là, c'est encore pire que cool, relâche. C'est, voilà. Moi, je vous dis, pour mes abonnés qui passent sur la chaîne de Kizae, je sais qu'on en a un commun. Vrai. Dites-vous juste une chose, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr vraiment que je vais le faire. Dites-vous qu'il y a entre 85 et 90% de chance, vous aurez après MM Sonic Adventure DX et Director Cut. Oh yes. Si, après, s'il y a Adventure 2 sur le PSN, il se peut aussi que je vais plus m'orienter sur une vidéo, sur un Let's Play découverte sur Adventure 2. Parce que Adventure 2, j'ai joué un peu sur émulateur, voilà quoi. City Escape, c'est. Oh putain, c'est excellent. Le camion qui te poursuit derrière et toi t'es obligé de batailler et puis l'histoire elle est excellente quoi. Dans Adventure 2, bon, c'est pareil, on se décale de Zelda. Dans Adventure 2, tu retrouves Sonic, il est au moins des flics, il a une menotte à un bras, il se retrouve dans un hélicoptère. Bon, arrêtez. Il s'évade de l'hélicoptère, il arrache un morceau d'aile, il descend en bas et puis après le stage il commence où tu surfes dans la ville. La ville elle te fait penser à Los Angeles quoi. D'ailleurs je crois que c'est la Sonic Team américaine qui a fait Sonic Adventure 2, je suis pas sûr.
Puis voilà quoi, il slame entre les bagnoles et tout, c'est un truc impressionnant quoi, franchement. Moi je dis franchement, s'il devait refaire un autre Sonic, au lieu de nous faire des jeux genre Sonic Generation et tout ça, putain mais qu'il nous refasse une putain de bombe comme l'était Sonic Adventure 1 et 2. Qu'il nous fasse pas une boost, enfin c'est pas vraiment une boost Generation, mais voilà, c'est mes pas... Mes amis, là vous avez l'arme de la fan de Sonic qui parle. Ah ben, le truc qu'il y a, c'est qu'ils vont sur Adventure, ils vont le ressentir, ça. Ah bah, ils vont le ressentir. Bon, Kiki, je pense qu'on va conclure là. Ça fait... Non, je sais, je parle beaucoup, je suis... Pas ça, mais... Non, mais t'inquiète pas, au moins, ça anime la vidéo. Mais après, le truc, c'est que ça fait trop long. Là, on est déjà à 50 minutes, je pense qu'on va couper, là. Ça fait beaucoup. Bah, après, je limite, j'ai envie de te dire que tes abonnés ont l'habitude des vidéos de 50 minutes. Donc bon, après, mais non, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pour ça que moi les vidéos sur YouTube ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un qui piaille énormément, donc voilà. Allez, bah tout le monde, on va se quitter maintenant sur Majora's Mask pour l'épisode 4 avec Kintaro. Un grand grand merci d'être venu hein, pour cet épisode. Ah mais c'est moi qui te remercie et encore et toujours de m'inviter sur tes vidéos. Comme je le dis, franchement toi Pipi, vous êtes vraiment des gars que je considère comme mes modèles, comme mes senpai et tout ça. Et franchement, ce que vous faites, c'est tout simplement excellent. Donc continuez et vous continuez à regarder les vidéos de Ukizae, de Pyrux, de tous ceux notre petit groupe. Voilà, ouais. Oui. En fait, disons que le truc qu'il y a, c'est surtout de tous ceux du petit groupe qu'on a formé entre nous avec White Dead, avec Shifuflo, Pikachu, Zirkoy, Chromos, Indian Armand et tout ça. On est un petit groupe de youtubeurs où on parle, on discute, on s'invite et tout. Et nous tous, on est réunis par une même passion, c'est les jeux vidéo et faire des vidéos sur les jeux vidéo. Donc franchement, moi je conseille aussi d'aller voir les chaînes des autres personnes, genre White Dead et tout ça, parce que eux aussi font d'excellents boulots et c'est vraiment passionné sur les jeux vidéo. Donc voilà. Bon, c'était le mot final. Voilà, c'est mon mot final. Mais tu voulais pas que je dise caca ? Quand même pas. Non, c'est bon, c'est bon. Dire, hein, non, caca, voilà. C'est bon, la vidéo est pourrie. Elle a été maléfique. Ah non, le fail va. Oh, sur moi, le fail est venu. Mais non, déjà, il est déjà venu sur moi, le fail, sur l'épisode 10, quand même. Je verrai ça. Pour que je t'aide. Bon, allez, tout le monde, c'était Kizae et Kintaro pour l'épisode 4 de Majora. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et allez vous abonner sur la chaîne de Kintaro. C'est un ordre. Allez vous abonner sur la chaîne de Kizae. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.